On vient maintenant à l'actualité en cours ce soir dans les Antilles. Après le passage dévastateur de Irma à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, un nouvel ouragan menace actuellement plusieurs îles. Bonsoir Alban Micosi, merci Alban d'être avec nous. La Guadeloupe et la Martinique ont été placées ce soir en niveau d'alerte orange. Oui, il s'agit de l'ouragan Maria qui se trouve actuellement dans l'océan Atlantique à 800 km environ au sud-est des Antilles. Alors on va regarder ensemble une animation et on voit clairement que les vents sont en train de se renforcer. Selon les spécialistes météo, cet ouragan va atteindre la catégorie 2. Voilà les vents et l'ouragan est au milieu. C'est celui qui se déplace vers les Antilles. Il va y arriver dans la nuit de lundi à mardi. Alors principalement concernée, la Guadeloupe avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales qui pourraient atteindre 200 km/h. Attention aussi aux fortes pluies et aux effets de houle jusqu'à 7 mètres de hauteur. Enfin, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cet ouragan sera bien moins fort, évidemment, que ne l'a été Irma il y a 10 jours, mais avec des vents autour de 100 km/h, les autorités mettent en garde. Les structures sont déjà fragilisées, elles pourraient s'effondrer lors de rafales potentiellement plus fortes. Voilà pourquoi la population est appelée à la plus grande prudence. Prudence, donc, merci Alban.